Il est possible de faire du trail en plein milieu de Hong Kong. On a trouvé le chemin avec mon fils. J'ai l'impression d'être à la Diagonale des Fous. Ah ouais, mais ça, c'est un chemin de fou. C'est pas mon fils pour rien. Ce chemin là il est pas dans les guides hein. Et on l'a vu nulle part. Voilà, c'est le nez qui nous a porté là-haut. C'est bien. T'as vu, comment ça va être sympa. Ouais. Putain. Moi t'imaginais pas. Pourtant tu vis à Hong Kong depuis 6 mois. T'avais pas vu ça. Non, parce que d'habitude on monte par le Pic Tram, le funiculaire qui est par là-bas. Et là, c'est beaucoup plus marrant, un peu plus dangereux, mais c'est quand même sympa. On a une belle vue là sur la mer. Avec, comme vous pouvez le voir, une tenue parfaitement adaptée à la situation. Tu quoi? La sauce de la celle-là. Oh la vache. Pas comme moi ou c'est pas comme à Victoria Peak. Mon chinois ici. Ah non, mais c'est mieux qu'à Victoria Peak. Hein. Ah, c'est bon aussi. Les amis, et là il y a King Kong. Kong. Là on arrive dans la jungle. À du moment, j'ai vraiment l'impression d'être dans la Réunion, au chemin de la Cala ou de Ratino. Bon, tu nous amènes où, Hippolyte? Eh ben là où Dieu le voudra. On sait pas trop où on va là. On monte, ça suffit. On va se faire tomber sur le pic, mais c'est pas gagné. C'est l'aventure, les amis. L'aventure à côté d'une ville de 10 millions d'habitants. On se disait avec Hippolyte, si l'ultra trail de Hong Kong commençait par là, avec la vue sur Hong Kong, ça ferait vraiment la vitrine de la course, ça c'est évident. Non, je disais que c'est de loin c'est le truc le plus cool que j'ai fait depuis que je suis en Hong Kong, parce que d'habitude tous les chemins sont bétonnés, t'as pas mal de touristes et tout ça, donc ouais. Là c'est bien, là c'est le premier vrai chemin que je vois depuis que je suis en Hong Kong, donc c'est sympa, ça fait du avec une parce que d'habitude aussi t'as plein de déchets et tout ça, là c'est clean, c'est super. Ouais. Et t'as pris les bonnes chaussures. Ouais, putain. Bon, ça va. Ouais, parce qu'en fait je vous explique le truc, on était parti en pantalon et petites chaussures de ville parce qu'on devait aller à Asso, le quartier un peu bobo de Hong Kong. On a vu les escaliers, on a monté et puis nous voilà au milieu de la jungle. Bon là, il n'y a plus de chemin. On fait la tranche, les bambous. Va me tuer ce con. Fais de la brasse. Allez. Ah, c'est pas facile hein. Il y a plus de chemin. Quand on est con, on est con. Et là on est bientôt à 600 mètres d'altitude, on est bientôt au sommet non? Ah, j'ai jamais vu ça Hippolyte. J'ai jamais vu ça. Je crois que ces arbres, il y a longtemps qu'ils n'ont pas vu d'homme.
dans la série la, les trucs zinzin à la con. Putain, comment ça va le. Ça se dégage. Ça se dégage. Ouais, on voit la ville. Oh putain, on voit la vue. Oh là. Ah la vache, on est où là? Bah. Bah là, on est au sommet, non? Ouais. Ah la vache. Oh non. Je crois pas. Je suis pas sûr de le refaire celui-là. Bah faut ouais. S'arrêter à la route. La deuxième partie. Elle est trop dure. Centrale c'est là-dessous, c'est ça? Centrale c'est là. C'est la grande tour. Centrale c'est la grande tour qui est là. Ok. Et donc Kowloon en face. Ouais. C'est ça. Voilà voilà. On fait pas beaucoup mieux comme vue. Oh putain. Un peu de brouillard aujourd'hui mais ouais. Ça reste magnifique. La vache. Moi je suis mâchuré de partout. Regarde, regarde mon visage, j'ai pas des. Ouais. Oh la vache. Attention, on avait pris plein la gueule quoi. Bon bah. Réussi. Maintenant on peut trouver la route. Ok. Ouais, c'est là-bas.